Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Plus de 50 ans après, l'agriculture continue de porter le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Des références en ont entre autres, premier producteur mondial de cacao, premier en Afrique pour le rendement à l'égrenade du coton, premier pour le rendement de l'EVA, deuxième producteur d'anacarde derrière l'Inde, deuxième producteur africain d'huile de palme. Incidence, les filières agricoles sont les plus prometteuses. En pole position, l'anacarde, le coton, le riz, l'huile de palme et le caoutchouc. En plus de ces atouts naturels, la Côte d'Ivoire, 30 projets pour une valeur de plus de 1 milliards de francs CFA sont les offres d'investissement. Des projets qui prennent en compte l'entièreté de la Côte d'Ivoire. Quand on parle par exemple du complexe euh, chemin de fer Port-du-San Pedro, ça concerne tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, jusqu'au sud-ouest, lorsque nous parlons du port sec de Ferqué, ça concerne la région nord. Ces projets, non seulement ils sont identifiés en termes d'apport dans l'économie, en termes d'apport dans la croissance, mais ils sont identifiés aussi en termes géographiques, de sorte à ce qu'on ait une répartition. Plus ou moins équitable, je veux dire, les investissements sur le territoire national. En un mot, commençant, la Côte d'Ivoire sait ce qu'elle veut, pourquoi elle le veut et comment elle entend exploiter ses acquis pour le bien-être de tous. C'est pourquoi il est attendu de tous et de chacun une contribution de quelque nature qu'elle soit. Ou ceux qui sont dans le monde des affaires qui viennent participer à ce forum pour vivre la réalité de l'investissement Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est que l'ivoirien lambda se sente solidaire et hospitalier. De nos frères et soeurs qui viennent visiter notre pays. Le taximan, l'individu en qui est dans la rue. Il faut que nous puissions montrer que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, est une terre qui est prête à accepter donc, des investisseurs qui arrivent. Troisième élément, c'est envers donc euh, les entrepreneurs qui vont venir à ce forum. Le tout n'est pas de venir à ce forum, mais ne pas se fixer pour objectif. Je viens pour pouvoir nous importer. Il faut que je vienne donc avec des projets. Et dernier point, euh, le CPC reste à disposition de l'ensemble des investisseurs pour coordonner ces éléments et surtout permettre le suivi de l'après-forum. À 72 heures de l'événement, les organisateurs annoncent plus de 2500 participants, avec pour cette fois une proportion de 50% de privés ivoiriens.